Thank you.
collait, alors... Un fumeur pour un briquet, s'il vous plaît. Prends pitié de nous.
Tu nous conduis vers le Père, tu nous fais le don de ta vie, de ton esprit. Prends pitié de nous. Lecture de la lettre de
Le Seigneur soit avec vous. Jésus disait à ses disciples, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, homme de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura du souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ces lectures ont été choisies spécialement pour cette célébration. La première qui nous rappelle que ce qui est au cœur de la vie de foi, c'est le Christ Jésus et son amour. Cet amour que Dieu nous donne à tout instant. Et qu'est-ce qui pourrait nous en séparer? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim? Non, en tout cela, nous sommes assurés d'être toujours aimés de Dieu. Sainte Rolande avait voué sa vie, elle souhaitait pouvoir s'unir à Dieu et pouvoir être l'une de ses épouses ou de ses enfants, une proche de lui, car il l'aimait. Et elle ressentait cet amour. L'évangile qui a été choisi invite, alors qu'on aimerait se faire beaucoup de soucis, enfin je ne sais pas si on aimerait, mais la vie nous amène à essayer de programmer l'avenir et depuis maintenant bientôt un an et demi, c'est comme si nous n'arrivions plus à imaginer l'avenir ou à organiser un tel affaire. Et je ne vous cache pas que cette nuit, j'ai très mal dormi, même pas du tout. Pendant toute la nuit, j'ai commencé à réfléchir en me demandant « Mais comment célébrer le temps qu'on annonce ?» Avec le vent, avec la pluie, on fait ce qu'on peut, pas forcément ce que l'on veut. Mais voilà, nous sommes tout de même aujourd'hui rassemblés. Et nous sommes là, dans cet instant-là, maintenant. C'est dans ce maintenant que Dieu vient à notre rencontre. C'est dans ce maintenant qu'il nous invite à l'accueillir. C'est dans ce maintenant qu'il nous invite à accueillir Sainte Rolande comme une pèlerine qui va partir avec nous sur le chemin de ce tour, confiant ainsi cette région à Dieu. Lui confiant tout ce que les habitants ont à vivre, les épreuves, mais aussi les moments de joie, les difficultés quant à l'avenir, mais nous ne pouvons le programmer. Puisse Sainte Rolande, puisse le Seigneur soutenir tout un chacun. Amen. Ah, le vent s'est tu. Viendra.
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions maintenant au Seigneur nos intentions de prière. Seigneur, nous te prions pour l'Église entière, célébrant le don de l'Esprit, offert par le Christ à tous les êtres humains. Que par ces fêtes de Pentecôte, chacun puisse davantage le reconnaître. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous les pèlerins de ce jour, que ce chemin parcouru dans la joie, la prière et la communication renouvelle leur être, leur regard sur les personnes et les événements. Seigneur, entends chacune de ces demandes, mais aussi toutes celles qui te sont confiées dans cette église auprès de Sainte Rolande. Puisses-tu les accueillir, puisses-tu soutenir ceux qui te les adressent, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons aujourd'hui en l'honneur de Sainte Rolande. Donne à chacun de nous d'y puiser la paix, le bonheur, un soutien et un réconfort, toi qui vis et qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le mystère de la foi. De ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François,
notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et en particulier de tous les confrères, de tous les pèlerins qui sont venus à travers les siècles, ici en pèlerinage, se confier à l'intercession de Sainte Rolande. Et nous te confions tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Par Jésus-Christ, nous pouvons nous reconnaître comme enfants de Dieu, et cela par son Esprit qui est en nous. Avec nos cœurs d'enfants, ensemble, redisons cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Donne-lui de vivre dans la paix, conduis-la dans l'unité, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ à chacun. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
la communion, nous allons passer au milieu de vous. Si vous ne souhaitez pas communier, je vous invite à vous asseoir. Si vous souhaitez communier, à rester debout et à bien mettre vos mains. Et attention au vent, ne pas laisser le corps du Christ s'envoler. Il y aura, après, et une fois que vous avez communié, vous pouvez aussi vous asseoir. D'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Ne cesse pas, Seigneur, de nous combler de tes dons. Accorde-nous à la prière de Sainte Rolande d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous te le demandons, à toi qui vis et qui règne, maintenant pour les siècles des siècles. Beaucoup de personnes, vous avez du courage, monsieur le curé. Ben, je ne sais pas si c'est du courage, en tout cas c'est de la folie. Je crois qu'on est tous frigorifiés, il n'y a pas que moi qui ai du courage. C'est vous qui êtes là aujourd'hui, qui souhaitez commencer ou vivre au cœur de votre pèlerinage cette Eucharistie, accueillir ainsi le don de Dieu, ce don de sa vie qu'il nous fait, pour que nous puissions être envoyés dans le monde, signe de son amour, de sa joie. Pour célébrer cette Eucharistie, j'ai prévu une table sur laquelle il n'y a pas de nappe, mais plutôt une feuille en papier, et ça fait une semaine qu'elle est installée. Et sur cette feuille, des personnes viennent écrire leurs intentions de prière. Où il y a par exemple Sainte Rolande, soutenez nos soignants, protégez-nous pour tenir le coup. Alors, tenir le coup, pardon, dans ces moments difficiles, priez pour nous. Jésus, je t'aime de toutes mes forces. Santé à la famille. Je ne vais pas tout lire, je crois qu'on est assez frigorifié. Mais toutes ces intentions, en fait, elles peuvent être offertes au Seigneur. Auprès de lui se trouve aussi, non seulement Sainte Rolande, mais la Vierge Marie, qui nous a été confiée comme une mère et qui prie à tout instant pour chacun de nous. Nous pouvons lui dire, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Sainte Rolande, ce n'est pas une prière dite qui la rejoint, mais nous allons maintenant chanter son cantique. Yeah.
donner cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Jésus, toi qui marchais sur les routes de la Galilée, toi qui nous invites à être aussi un peuple en marche, qui, dans les moments plus difficiles, nous soutient, viens nous donner cette aide à tout instant, et puisse Sainte Rolande marcher avec nous. Nous te le demandons, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Et bénis-nous, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.